Après la victoire des assassins sur les Templiers, Londres a connu la paix pendant une vingtaine d'années. Jusqu'à cet automne de terreur. En 1988, une série de meurtres atroces, demeurés impunis, a plongé la ville dans l'effroi. Les bordels de Whitechapel sont de douillets refuges comparés aux rues du quartier, où les prostituées se font tuer et où leurs cadavres mutilés sont disposés comme autant de macabres spectacles. Jacob Fry traque l'insaisissable tueur pour mettre fin à la terreur de Jack l'Éventreur. Dépêchez-vous, Monsieur Finch. C'est l'histoire du siècle. Monsieur Weaversbrook, je sais que vous avez d'autres lettres de l'Éventreur. Je vous ai dit de me laisser tranquille. Cessez de publier ces lettres. Vous avez transformé un vulgaire inconnu en légende vivante. Vous n'avez fait que jouer son jeu. Jacob! Dieu merci, je t'ai trouvé. C'est l'Éventreur. Viens, il a recommencé. De ce que je t'ai dit. Pars d'ici. Combien d'assassins devront mourir pour que t'acceptes la vérité ? Un seul suffira, Jack. T'aurais vraiment dû y croire, Jacob. Maintenant, c'est toi que je traque. Je sais que tu es là, Jack. Le maître de la terreur aurait dû peur de se montrer. Je suis ton ombre, Jacob. Je les étriperai tous sans hésiter si ça me conduit plus vite à toi. Je t'attraperai. J'ai plus qu'à suivre ta piste. La piste d'un animal blessé. Où que tu ailles, je te retrouverai. C'est moi que tu veux, Jack. Alors viens me tuer! Ce n'est pas notre credo. C'est mon credo! Tu ne m'échapperas pas.
Allez, regagne vite ton trou, petite souris. Tu nous quittais, Jacob. Jack, tu es malade. Tu es le seul à connaître l'identité de l'éventreur, mais si tu la révèles à quiconque, cela t'anéantira, ainsi que les assassins. Jack, on peut te soigner. Me soigner? Je suis le remède. Miss Fry. Inspecteur Aberlin. Pour quelle raison m'avez-vous fait escorter ici? Cela fait maintenant des mois que mes hommes traquent l'éventreur nuit et jour, mais sans le moindre résultat. Du moins, officiellement. En quoi cela me concerne-t-il? Mon frère m'a demandé de revenir des Indes. Ceci ne pouvait pas attendre? Il est possible que vous soyez le dernier assassin de Londres. Que voulez-vous dire? Où est Jacob? J'aimerais le savoir. Votre frère est introuvable alors qu'un meurtrier commet les crimes les plus abominables de toute l'histoire de cette ville. Et pour vous, cela n'a rien d'une coïncidence. Ce tueur choisit froidement ses victimes et ne laisse aucune trace de son passage. Je n'ai vu un tel talent pour l'assassinat et la dissimulation qu'à une seule occasion. Lorsque j'ai travaillé avec vous deux. Voilà pourquoi Jacob vous a fait venir avant de disparaître. Jacob est mort ? J'espère me tromper. Mais s'il est mort, vous êtes la seule personne capable d'arrêter l'éventreur. Suivez-moi. Vous emmenez là où l'éventreur a frappé en premier. Incompétent! Les journalistes sont toujours avertis les premiers. À notre arrivée, ces sagouins avaient piétiné tous les indices, et le lendemain, leur gros titre dégoulinait de sang.
Les quelques centaines de yards séparant Flower Street de Dean Street sont devenus si dangereux que la nuit, même mes meilleurs agents refusent d'arpenter Whitechapel. Prenons une voiture, voulez-vous? On est assez de recevoir des œufs en plein visage. Je vais conduire. Est-il arrivé à ce quartier? Whitechapel est un cloaque en proie au crime, n'est-ce pas? C'est devenu l'enfer sur terre. Ailleurs, les riches s'enrichissent. Mais ici, les pauvres doivent lutter pour survivre jour après jour. Les journalistes dépeignent Whitechapel comme un recueil de sauvages, de meurtres et de loups-garous sanguinaires. Une galerie d'horreur qui fait régner l'épouvante et le chaos. Le chaos de l'éventreur. Nous ne sommes pas loin de l'endroit où a été tuée Marianne Nichols. On la connaissait sous le nom de Polly. C'est ainsi que ses amis l'appelaient. Mais la femme qui est morte ici n'était pas celle que j'ai croisée au Frying Pan, un pub. Alors qui était-ce? J'espérais que vous me le diriez. Allez vous rendre compte par vous-même. C'est ici que l'éventreur a tué pour la première fois. Qui a identifié le corps de Nichols? Son mari. Il ne l'avait pas vu depuis 11 ans. Il a à peine regardé cette pauvre mutilée avant d'annoncer avec aplomb qu'il lui pardonnait tout ce qu'elle lui avait fait. La presse a claironné que Miss Nichols portait la marque d'une bague à un doigt. Elle lui a été retirée de force, comme à chacune des autres victimes. Qu'avez-vous découvert? Laissez-moi la chercher. J'ai trouvé la bague de Nichols. Une bague d'assassin. Elle a dû la jeter pendant qu'elle luttait. Un acte désespéré afin de protéger la confrérie. Vous pensez qu'on les a choisis? Oui. Et les journaux accusent la police, moi en l'occurrence, de laisser la plus grande ville du monde sombrer dans la barbarie. Je dois vous laisser, Miss Fry. Le travail ne manque pas à Whitechapel. Au revoir, inspecteur. Merci de votre discrétion. Je dois saper l'influence de Jack sur les bandes de Londres. Je n'aime pas la vérité.
Inspecteur, l'enquête indique que Marianne Nichols était ivre et s'est donnée en spectacle la nuit du meurtre. Vous pensez qu'elle obéissait aux consignes de Jacob ? Qu'elle servait d'appât ? À vrai dire, je ne sais plus quoi penser, Miss Fry. Jacob habitait près d'ici, au cœur même de ce cloaque. Soyez prudente. Vous pouvez compter sur moi. Viens voir ici, toi ! Ça tombe, ça tombe. On la tient maintenant. Hey, tu vas te payer ça. Attention à vous, laissez se battre. Elle me plaît pas, celle-là. Affronte-moi, lâche! Oh!
Quoi? Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Viens chercher! Pas de pitié! Je l'ai déjà vu. Mieux vaut la tenir à l'œil. Don't speak. Let me help you. Ha ha! Police! J'imagine que je peux me dire que j'ai bien agi et que les gens s'en porteront mieux. Cette femme a l'air suspecte. Ça va mal se terminer pour toi. Mais qu'est-ce que... Bobby Cheech était arrivé.